Je vais au chapitre 2 de Yuhal. N'avez-vous pas tout ce que vous voulez? Ou avez-vous acquis des choses et continué à les perdre? Car le jour de Yahweh arrive. Il va brûler la terre. Que pensez-vous que Yahweh a fait ici? Il annonce ce qui va arriver. Il dit, « Je vais tout brûler. » Puis regardez ce que Yahweh a dit. Même maintenant. Bien que cela arrive, déclare Yahweh. Revenez vers moi de tout votre cœur. Il veut que vous soyez désolés parce que vos ancêtres ont enterré son nom. Je suis désolé, Yahweh. Votre maman, votre papa, votre grand-père, votre arrière-grand-père, vos tantes, vos oncles, votre arrière-arrière-grand-mère vous ont-ils fait du tort? Je suis désolé. Verset 13. Revenez à Yahweh, à votre Alua. Pourquoi? Parce qu'il est bienveillant et miséricordieux. Yahweh est sur le point de parler. Asseyez-vous et faites attention. Le Très-Haut va parler à travers sa parole. Écoutez cette promesse qu'il dit. Je restaurerai les années. Il vous rendra les années que les sauterelles ont dévorées. Et vous louerez le nom de Yahweh. Êtes-vous prêts? Verset 32. Mettez vos ceintures. Mettez vos ceintures. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. C'est ce que Kappa, Pierre, a dit en sortant de la chambre haute dans Actes 2 verset 21. Shaul, connu sous le nom de Paul, l'a dit dans Romains 10 verset 13. Il a dit, « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. » Et il dit qu'il n'y a pas d'autre nom. « Je suis l'un de ses messagers. Il vous appelle, car je vous parle. » Ce n'est pas une erreur que vous soyez ici. Yahweh met en place un système littéral de vérité. Et cela commence par sa parole. Nous devons d'abord transmettre la bonne parole du Nouveau Testament au monde.